Daddy Blues, je joue Bernard Lapierre. Bernard Lapierre, je suis architecte et j'ai engagé une procédure d'adoption avec ma femme, Christine Lapierre. Et aujourd'hui, au début de la pièce, notre fils Marius arrive. Christine, Marius arrive! Oh, coup de bol, l'orphelinat a brûlé cette nuit! Alors moi, je trouve ça un petit peu excessif de dire que je suis bipolaire parce que, je suis une femme de caractère. Et toi, le jour où ton fils arrive, t'as rendez-vous au Salon du Livre? Ben, on peut avoir un impondérable. Ah non, pas avec la DAS, tu la connais, l'autre vieille tombe. Hein? Je travaille à la DAS depuis à peu près 25 ans et je n'ai pas l'habitude de traiter les dossiers par-dessus la jambe. Tout! Vous m'entendez? Il y a tout dans les placards! Alors arrêtez de me gonfler avec leur pas du soir! Et cette rondeur d'herbe coupée qui flotte dans ta chevelure, c'est enivrant. Mais je ne mets pas de parfum! Ça doit être le bouquet garni du lapin! Je viens d'être engagée. Je suis absolument ravie parce que les conditions de travail sont formidables. Vous allez être ma femme! Hein? Et ça, voilà, vous venez d'avoir un accident, alors vous mettez là, alors un foulard comme ça. Oh. Je quadruple votre salaire! D'accord! Voilà! Ça devient gênant, je vais finir par gagner plus que vous. Je pense que c'est très important, quand on est dans une agence comme la nôtre, ce sens des responsabilités. Ah Bernard, tu viens quand tu veux, j'en ai marre de tout me taper tout seul. Oh, ils font ça à trois. Non. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Non. Là, maman. C'est moi. Georges Mercier, qui est un personnage un peu strict, psychorigide en fait. Messieurs, je suis passé pour un con. Ah bah c'est exactement ce que mon cousin était en train de me dire. Donnez-moi des hommes, des mâles, des bêtes, du bois bandé, donnez-moi des hommes, des mâles. Mais tu vas la fermer.